Thank <laughs> you. Merci pour votre assiduité, merci pour le temps que vous consacrez pour l'examen avec nous ensemble des paroles de la prophétie. La pastorale, s'il faut le dire, a été une grande bénédiction sur les, les cinq émissions que nous venons de tourner. J'ai reçu pas mal des appels, des réactions très très positives de la part des bien-aimés à travers le monde entier. Et pour cela, euh, je veux bénir le nom du Seigneur parce que Il est derrière chaque mouvement. Et je crois que euh, cette émission-ci euh, a touché, je crois, le centre nerveux. Cette émission euh, a touché, a semblé toucher, euh, un besoin qui ne disait aucun mot. Et donc vos réactions sont toujours les bienvenues parce que c'est ça, ce qui nous pousse à être plus au service du Seigneur à plus étudier, à plus se être engagé effectivement afin d'être euh, là à, à creuser profondément parce que lorsque il y a un besoin, le Seigneur crée toujours un moyen pour étancher effectivement euh, la soif par rapport au besoin qui est ressenti. Et comme euh, nous avions traité sur les trois premières clés, nous avions commencé avec euh, l'immuabilité de la parole. Pour montrer que les symboles s'interprètent d'elles-mêmes dans la Bible. Et deuxièmement, nous avons traité sur l'espace-temps prophétique. Et enfin, nous avions traité sur la dualité prophétique. Hier, j'ai été en contact avec euh, le docteur Pierrot du Gabon. Et je crois qu'il a beaucoup apprécié l'idée, il a beaucoup apprécié, apprécié cette démarche et cette vision sur la pastorale. Et je crois que euh, par la grâce du Seigneur, vous aurez la, la, cette euh, possibilité de suivre ces éminents docteurs, intervenir aussi sur cette euh, plateforme sur la pastorale. Et tout à l'heure, avant de commencer aussi, j'étais en contact euh, en, en réunion, en, en vidéoconférence avec le docteur Hake. Nous avions longuement discuté là-dessus. Et comme j'avais mentionné qu'il y a effectivement sept clés par rapport à, aux études que j'ai faites, et donc je vais développer jusqu'à la sixième clé. Et donc la septième clé, je crois que ce ne serait pas moi qui va finaliser cela. Mais le docteur Pierre va prendre précisément sur le côté le volet de la pyramide et pardon du zodiaque. Il va nous développer le lien qui existe entre le zodiaque et la Bible. Et enfin, le docteur Aké, lui de sa part, il va faire le lien entre la Bible et la pyramide. Voilà pourquoi je vous invite à être si scotier, à être si attentif parce que comme dit un ami, euh, il y aura à boire et à manger. Ce que nous faisons là, ce n'est pas des histoires que l'on crée, mais c'est même une recommandation de William Marion Branham, parce que selon Frère Branham, il veut que les jeunes gens puissent être formés, qu'on les enseigne des choses profondes. Ici, dans questions et réponses, prêché le 28, 6e mois 1959, le paragraphe 25, écoutez ce que Frabanham a dit ici, dans sa prière, nous te demandons de bien vouloir bénir notre cher pasteur frère Neville qui est resté vaillamment à son poste année après année qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid afin de garder et de faire paître les brebis du troupeau qui se rassemble ici je prie que ton esprit soit sur lui aide-le et bénis tous ceux qui sont rattachés au tabernacle et bientôt, Seigneur, si c'est ta volonté, nous comptons avoir un beau grand tabernacle ici, au coin de la rue, et nous pourrons avoir une école afin de former des jeunes ministres et de les envoyer aux quatre coins de la terre, combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc vous voyez que Fabanam ici est en train de faire mention d'une école de formation des ministres pour qu'ils aillent pour le combat. Donc ça a été une erreur grave que de laisser la jeunesse aller seule sans les armer, sans les former. Banham a prêché euh, L'enseignement sur la plus grande bataille jamais livrée, il parle de la sélection et ensuite de la formation. Donc, pour que les gens soient efficaces sur le terrain, ils ont besoin d'une bonne formation. Et nous avons besoin d'avoir une jeunesse solidement formée, une jeunesse qui sera capable de défendre sans ambiguïté les principes que nous confessons, des choses que nous croyons, des choses que nous avions compris que nous confessons comme étant la vérité. Et si aujourd'hui on assiste à beaucoup de dégâts, effectivement, c'est parce que il nous manque de formation. je reviens toujours à la carte du départ. Il faut la méthodologie. Il faut inculquer toutes ces méthodes-là afin que des hommes qui vont confesser le message, qui vont enseigner le message, qui vont exhorter, soient des hommes efficaces avec des arguments solides. Des hommes qu'on ne peut pas blaguer. Des hommes en qui nous avions confiance réellement, ce sont des hommes de foi. Voyez-vous qu'aujourd'hui, même dans l'exercice ou la déontologie ministérielle, il y, y, y a trop, trop, trop de bévues. Prenons rien que l'attitude de la réprimande. Mais, mais, mais c'est la catastrophe. Là, nous voyons de la pastorale à Timothée, le chapitre 5, Là, Paul est clair, il est en train de coacher, d'orienter Timothée, comment il devait se comporter vis-à-vis -vis des hommes plus âgés que lui, comment les réprimander, comment se comporter devant des femmes plus âgées et moins âgées que lui. Et je crois que je, ce, ce serait mieux que je lise cela, parce que c'est toujours bien de lire. Et quand on lit, ça a plus d'effet. Alors, Paul dit à Timothée, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais encourage-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, des jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. Donc, c'est très absurde aujourd'hui que nous voyons un prédicateur qui monte en train d'injurier les gens réprimander sans retenue comme un petit enfant alors qu'il est devant un père quelqu'un qui a la responsabilité et parce que au, au nom de la religion et tout ceci parce que on est soi-disant un apôtre qu'on a l'onction du lion qu'on rugit comme un lion qu'on a l'épée de la parole c'est pas l'épée de la parole ça c'est des matières que les gens ont sinon que nous sommes là dans la pastorale la pastorale ici c'est un coaching ce sont des ordonnances, des conseils que Paul, qui avait plus d'expérience, qu'il prodiguait à Timothée et Timothée et Tite devaient avoir un certain nombre de comportements dans la maison de Dieu ou dans l'assemblée de Dieu. Même dans la réprimande. Il y a une manière de réprimander. Voyez? Nous, aujourd'hui, il y a plus des impolis des la Des esprits régionaux, des esprits nationaux. Des esprits de brutalité. Et on attribue cela à l'apôtre. Mais voilà le vrai apostolat. Et nous sommes dans les bases du vrai disciple. Voilà comment l'apôtre Paul est en train d'orienter son fils dans la foi Timothée. Comment il doit même agir dans la réprimande. Et William Branham est précis là-dessus dans l'âge d'Éphèse. Il, il montre que, voyez quand Dieu veut réprimander l'âge d'Éphèse, il n'est pas passé aussitôt à la réprimande. Il a d'abord donné des éloges. Il a d'abord encouragé sur les bonnes choses, les, les grandes victoires que les Éphésiens avaient. Mais après, il fait mention, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et me dit que c'est de cette façon que nous devions conduire nos églises, nos foyers et partout. Et si on agit ainsi, tout ira bien. Voyez-vous? Donc, ce sont des choses très essentielles. Ce sont des choses que peut-être les gens n'ont pas eu le courage d'en parler, mais le Seigneur a mis ce poids dans mon cœur pour soulever des questions et je crois que voilà pourquoi il y a des réactions de ça et là parce que effectivement ce sont des choses qui brisent les cœurs des gens. Il y a des gens qui m'ont appelé pour Poser des questions de gens, il faut traiter la question sur les appels. Est-ce que c'est un songe? Est-ce que c'est une vision qu'on doit recevoir au préalable? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une prophétie? Ou comment se fait Dieu parle au cœur? Voyez-vous que ce sont des des, des, des des questions qui sont endormies dans les cœurs des enfants de Dieu. Et le Seigneur nous a donné cette possibilité ici, sur cette, ce plateau de tournage, sur cette plateforme de la pastorale, afin de traiter effectivement ces questions qui sont des questions très, très, très édifiantes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alors, nous rentrons à présent dans la, 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 la quatrième clé. Et cette quatrième clé, euh, je l'ai identifiée ou je l'ai nommée l'identification moderne des nations mentionnées dans la Bible. Donc, il y a une chose que nous devons retenir. C'est que, pour décrypter les prophéties de la Bible, parmi les éléments, il y a les éléments villes. Les villes cachent un message prophétique, tout comme des pays ou des nations. D'aucuns me diront, mais ça, ça sort d'où Cette clé consiste à comprendre où sont les nations mentionnées dans la Bible. À quel endroit, effectivement, la Bible fait allusion des États-Unis. À quel endroit la Bible fait allusion aux pays comme l'Angleterre ou la Grande-Bretagne. Puisque euh, ces noms n'apparaissent pas littéralement dans la Bible, mais quand on étudie si profondément ce que j'appelle l'exégèse, faire l'exégèse, vous verrez que les ancêtres de ces nations sont clairement mentionnés dans la Bible. Par exemple, la Bible cite par leur nom des pays comme Mitraïm ou l'Égypte, la Libye, l'Éthiopie. Et ces nations joueront un rôle significatif dans les, les événements du Moyen-Orient. Pour référence, nous allons dans Daniel chapitre 11, le verset 43. Des pays comme la Syrie. Et les questions que nous devons nous poser aujourd'hui, qu'est devenue la Syrie Puisque selon Ésaïe 19, le verset 22 jusqu'au verset 23, dans le monde à venir, ou au temps de la fin, la Syrie jouera un rôle très capital puisque là il est dit en ce temps là Israël sera troisième uni à l'Égypte et à la Syrie ces pays seront l'objet d'une bénédiction l'éternel des armées les bénira en disant béni soit l'Égypte mon peuple Israël mon héritage et la Syrie l'œuvre des mêmes. Vous voyez, donc là, on fait mention que dans ces trois nations, dans le futur, ces trois nations serviront la bénédiction de la terre. Il y a l'Égypte, il y a la Syrie et il y a Israël. Alors, si la Syrie servira d'une bénédiction associée avec Israël et l'Égypte, nous devons nous poser la question. Qu'est devenue la Syrie de nos jours Voilà pourquoi, pour sonder plus profondément la prophétie, l'identification des villes, des nations ou des royaumes d'autrefois est une clé très capitale. Et si vous passez par-dessus cette clé, vous n'aurez pas un puzzle au complet. Vous voyez voilà pourquoi Genèse 10 est très important, avoir une vision générale effectivement de Genèse 10 qui parle de, 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 de la tablette ethnologique de la littérature antique ou la table des nations. Comprendre les 70 enfants ou petits-fils de Noé qui ont peuplé la terre. Et plus tard dans Ézéchiel 38, vous retrouverez une partie de ces nations vers la dernière bataille qui est appelé, cette bataille qui fait venir le roi du Nord, qui est nommé comme Gog dans le pays de Magog. Et avec cette coalition qui accompagne effectivement euh, ce grand prince qui vient pour asservir le pays d'Israël. Donc la compréhension de l'identité moderne des nations mentionnée dans la Bible, nous donne une compréhension plus claire des prophéties bibliques. Parce que les prophéties bibliques mentionnent beaucoup d'autres nations qui vont se retrouver, qui vont jouer effectivement un rôle majeur vers l'accumulation des prophéties eschatologiques ou les prophéties des temps de la fin. Alors, comment allons-nous identifier des villes comme Sohan, des villes comme Patros, des pays comme la Syrie, comme je viens de le dire tout à l'heure, des pays comme Mitzraim, Couch, Pout, qui est la Libye, Avila, le pays d'Avila, parce que pour traiter la question de l'Eden, il faut effectivement identifier le pays de Couch et le pays d'Avila, le pays de Magog, la ville de Roche, de M'échec, Toubal aujourd'hui représente quelle nation Quand on parle de Gomère, il s'agit de quelle nation La maison de Togarma, au plus profond du nord, des pays comme Madai ou Mehdi. Donc il faut cette capacité, effectivement, d'utiliser la cartographie ancienne pour faire un lien ou un rapprochement. Avec la cartographie d'aujourd'hui. Sinon, vous n'allez pas comprendre à quel niveau nous sommes dans la prophétie. Des pays comme Saba ou Seba, autrefois, se situent à, se situent à quel niveau. Et aujourd'hui, que signifie ou quelle est la géographie ou la géolocalisation de pays comme Seba, comme Dedan, les marchands de Tarzi, le pays comme Javon, qui se retrouve dans les prophéties de Daniel, se trouve à quel niveau ou à quel endroit? Quand vous entendez parler des navires de Kitim, des les, les villes ou des pays comme le Séphare ou les Sépharades, la Bible fait allusion comme la, la montagne de l'Orient, ou le pays à, à, à Elam, des pays comme Souz, comme Chinéa, comme la Perse, qui est l'actuel Iran. Donc il y a un exercice très capital et une étude très capitale ici. Il s'agit d'identifier des villes d'autrefois et faire un lien avec des villes d'aujourd'hui ou la nomination d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, on saura, on va faire une lecture plus claire des prophéties de l'Ancien Testament et les rattacher avec les événements du Nouveau Testament. Par exemple, à quel niveau tu vas retrouver la, euh, le, le, le Congo-Brazzaville dans la Bible À quel niveau tu vas retrouver le Congo de la RDC dans la Bible Comment vas-tu appliquer la position de la Côte d'Ivoire dans la Bible Comment vas-tu euh, appliquer la position du Sénégal dans la Bible parce que toutes ces choses se trouvent dans la Bible. Et pour ton information, dans le des Cantiques, chapitre 5, le voyage de Salomon avec la reine du Midi effectivement se terminera dans la tanière des lions et jusqu'à la montagne des léopards. Donc, ce n'est pas étonnant que la RDC soit autrefois sous l'emblème du léopard et que le Congo de ceci soit sous l'emblème du lion. Vous voyez Et comment identifier les richesses ou les mines de Salomon dans le pays de couche Parce qu'autrefois, toute cette zone qu'on appelle l'océan Atlantique, en fait, n'était jamais appelée l'océan Atlantique. C'était plutôt Océanus ethiopicus, c'est-à-dire l'océan éthiopien. Donc, parce que le pays de couche... Ou l'Éthiopie, ça venait jusqu'à dans cette zone-là, jusqu'au Gabon. Donc, il y a un travail assez profond, une clé très capitale à étudier, et ce, ce cette clé est cachée derrière l'identité des villes, l'identité des nations, l'identité des royaumes, des empires qui sont mentionnés dans les saintes écritures. Quand Esaïe 18 parle du pays qui est coupé par des fleuves ou au-delà des, des, des fleuves de l'Éthiopie, il s'agit là de quelle zone le prophète est en train de parler. Quand Sophonie au chapitre 3, le verset 10, quand il parle des adorateurs qui sortiront au-delà des fleuves de l'Éthiopie, voyez-vous, il faut la cartographie ancienne et faire le lien. Avec la cartographie d'aujourd'hui. Raison pour laquelle vous verrez que, avec la paresse des prédicateurs d'aujourd'hui, qui ne veulent pas travailler, et ils pensent qu'avec des arguments bidons, du genre que Frère Banham a, a fait des recherches pour nous, Frère Banham a, a déjà lu pour nous. Bon, ok, Mais, regardez, euh, la Bible ici. Vous, vous voyez, la situation est très catastrophique. Où, on est dans l'incapacité de faire la distinction, la différence entre la maison de Judas, c'est-à-dire les Juifs, et la maison d'Israël, c'est-à-dire les Hébreux. Donc on ne fait pas la différence entre Juifs et Hébreux. C'est déjà catastrophique. Alors, parmi les nations ici, ou des villes, il y a le pays appelé Patros, qui est un élément clé dans l'étude de la prophétie. Surtout en rapport avec la restauration d'Israël et aussi le réveil du midi. Dans Esaïe 11, le verset 10 à 16, la Bible dit, En ce jour, le rejetant d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie. Donc, il faut identifier le peuple de Dieu qui est dispersé en Assyrie et en Égypte. Donc, c'est pas étonnant que dans Ésaïe 19, le Seigneur commence à montrer qu'il y aura un chemin qui va exister entre l'Égypte et l'Éthiopie. Parce qu'effectivement, dans ces pays, l'Égypte et la Syrie, parce que dans ces pays, il y a les dispersés d'Israël et en dehors de la Syrie et l'Éthiopie, d'autres sont à Patros et en Éthiopie, à Elam, à Chinéa et à Amat et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exiliés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Ephraïm disparaîtra, et les ennemis en Juda seront anéantis. Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm. Vous voyez, ce sont des prophéties. Et pour que nous puissions avoir un puzzle au complet, il faut identifier ces villes-là. Bon, par exemple, ceux-là qui ont fait la c'est-à-dire le retour, on a trouvé des juifs d'Éthiopie. Mais la prophétie ne les limite pas simplement en Éthiopie ou le pays de couche, mais ils sont en, Éthi en Égypte. Et à Patros. Donc, premièrement, on a aujourd'hui l'Égypte, on connaît. Mais dans l'histoire du retour, au dernier jour, on n'a pas vu des Juifs qu'on a pris de l'Éthiopie pour repartir en Israël. Donc, il faut élargir en ce moment-là la connaissance du pays d'Égypte aujourd'hui. Puisque l'Égypte d'aujourd'hui est islamisée. Et vous connaissez bien, et vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de juifs ou de dispersés présentement en, en, en Égypte. Mais il s'agit là alors qu'est l'Égypte. Et la Bible fait mention que d'autres sont à Patros. Patros est une ville qui se trouve, ou un pays qui se trouve en Afrique. Donc, il faut identifier les Hébreux qui sont à Patros. Vous voyez Donc, c'est pour ainsi dire que les villes sont essentielles si on les identifie par rapport à leur appellation d'origine dans la Bible et faire un lien à l'appellation actuelle, cela nous donnera une réalité parfaite de la géolocalisation des prophéties devant s'accomplir en ce dernier temps. Alors, je prends encore dans le livre de Jérémie parce que une partie du livre de Jérémie est écrite en Israël. Mais la dernière partie du livre de Jérémie n'est pas écrite en Israël, c'est écrit dans le pays d'Égypte. Parce qu'après la destruction du temple, Nebuchadnezzar avait placé un gouverneur. Et les révoltés avaient tué ce gouverneur-là. Ils ont eu peur des représailles. Ils ont pris la résolution de fuir dans le pays d'Égypte. Et ils ont pris. Jérémie de force et Baruch, ils ont dit à Jérémie d'intercéder Dieu afin que Dieu parle. Et si Dieu leur dit quelque chose, ils vont obéir. Et quand Jérémie a prié, Dieu les a dit de ne pas fuir, de rester dans le pays de Juda. Ils ont dit non, ce n'est pas le terrain qui te parle, Jérémie. C'est Baruch qui t'a inculqué ces histoires-là. Ils ont pris Baruch et Jérémie de force, ils les ont amenés en Égypte. Donc, il y a des, des prophéties. La dernière partie de la vie du prophète Jérémie, son livre, ses prophéties, se sont déroulées en Égypte. Et jusqu'à la fin, ces gens-là qui sont allés de, de, de forcer Jérémie à aller en Égypte, ont fini par, au lieu de se repentir, ont fini par retomber de plus en plus dans l'idolâtrie. Et c'est là où bientôt vous allez commencer à comprendre que si l'Afrique est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. En contrepartie, c'est à cause de la position des hébreux. Dieu a voulu humilier le pays d'Égypte ou l'Afrique, c'est parce que l'espoir des hébreux reposait effectivement sur le pays d'Égypte. Et Dieu dénonce cette attitude en montrant que, et finalement, Dieu va casser le roseau, la branche sur laquelle Israël ou le, la maison de Judas était accrochée. Voilà pourquoi la question sur l'Afrique, vous ne pouvez pas la traiter si, si, si légèrement. C'est parce que il y a un problème sérieux. Vous n'avez pas étudié, effectivement, la table des nations ou la tablette ethnologique de la littérature antique. Vous avez un sérieux problème d'identification des villes. Voilà que vous prenez des choses si légèrement. Alors que Frère Manam nous a donné le conseil, c'est que pour conclure le septième saut, il a fait la combinaison entre la vision, l'écriture, l'histoire, les âges de l'Église. Ça s'emboîte, ça s'harmonie si parfaitement qu'il peut dire que la révélation est le ainsi dit le Seigneur. L'Afrique est le seul continent. Le pays de Cannes est le seul pays qui appartient, à qui Dieu a donné des prophéties, qui malgré les attaques, malgré des projets d'extermination, ça n'a pas bougé. La population n'a pas été métissée. Les gens n'ont pas changé. Israël a changé, a été métissé, a été chassé de son pays. Aujourd'hui, si on te dit de retrouver un élamite, tu auras des problèmes. On te demande de retrouver un perse d'origine, tu auras des problèmes. On te demande de retrouver des phéniciens d'origine, tu auras, tu les retrouves pas. On te demande de retrouver ceux de Javon, tu les retrouves pas. Toutes les nations, les tyriens, tu ne les retrouves pas. Mais si on te pose la question, retrouve-moi un kamite, ils sont nombreux, malgré qu'on les a cherchés à être décimés. La traite négrière est venue pour chercher à les décimer. Ça n'a pas pu détruire le pays de Cam. Mais aujourd'hui, la question se pose encore qu'il constitue un danger futur sur le danger de la démographie. Ils vont devenir plus nombreux et cela va gêner. Alors que c'est un peuple qui a subi martyr après martyr. Donc, cette question, vous ne pouvez pas la traiter si légèrement, alors que c'est un problème très, très crucial. Je re, reprends. C'est que c'est le seul peuple qui est resté à sa place. Alors que elle a des, il a des prophéties mentionnées noir et blanc dans la Bible. Israël a subi des mutations. Les autres nations ont subi des mutations les indiens ont été presque exterminés les mayas et autres ont disparu toutes les autres civilisations ont disparu que la bible fait mention mais le pays d'égypte les sabéens les couchistes les Poutistes, ils sont restés tels que dieu les a créés voilà pourquoi nous avons cette responsabilité de voyager dans cette clé qui est un élément pour l'étude de la prophétie qui nous aidera à mieux canaliser notre vision. Alors, j'ai parlé que la dernière partie de la vie et des prophéties de Jérémie se passe en Afrique, en Égypte, parce que quand la Bible parle de l'Égypte, l'Égypte aujourd'hui est appelée l'Afrique. Et dans cette Égypte il y avait des pays, des grandes villes. Il y avait une administration. Il y avait des sous-régents. Écoute la parole du Seigneur. Dans Jérémie, chapitre 44, 44 le verset 1. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à, à Tafpanes. À et au pays de patros en ces mots donc tu as un exercice à faire de fouiller les pays commence juste par patros au verset 26 et au verset 14 jusqu'au verset 16 nul n'échappera parce que euh, ces gens-là ont accepté offrir le parfum à la reine du ciel et Dieu prononce des malheurs contre eux, nul n'échappera, ne fuira parmi le reste de Judas qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Judas où ils ont le désir de retourner s'établir car ils n'y retourneront pas sinon quelques réchappés. Vous voyez que ceux-là qui sont venus en Afrique, la Bible dit, ils ne repartiront pas. Donc il y a Judas, la maison de Judas, qui se trouve à Patros. Et selon la parole du Seigneur, ces gens-là ne repartiront pas. Tous les hommes qui, qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là, en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Au verset 26, jusqu'au verset 30. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous de Judas, qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel. Mon nom ne sera plus invoqué par la bouche. D'aucun homme de Judas et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur, l'Éternel est vivant. Donc vous comprenez par là que ceux qui sont dans le pays de Patros, Dieu va les enlever même leur judaïté. C'est-à-dire, ils perdront même le repère de la foi. Donc vous retrouverez des juifs en Égypte, mais qui ne jurent point au nom de l'Éternel. Ils deviendront des animistes, ils deviendront des athées, mais on te dit que celui-ci, c'est un hébreu à cause du défi qu'ils avaient lancé à Jérémie ici, dans le pays d'Égypte ou en Afrique, précisément à Patros. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Judas qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine. Jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Ceux en petit nombre qui échapperont par le paix retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer, seront si seront si ce ce sera ma parole ou la leur qui s'accomplira. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtirai dans ces lieux, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Ainsi par l'Éternel, voici, je livrerai Pharaon, Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécia, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi. Qui en voulait à sa vie. Et plus tard, vous verrez que, à cause de la position, à cause de la foi, de la sécurité que la maison de Judas sentait sous l'aile protectrice des pharaons d'Égypte, Dieu avait résolu de détruire le pays d'Égypte pour que la maison de Judas ne puisse plus avoir pour secours, secours le pays d'Égypte. Alors, encore dans Ésaïe, Ézéchiel chapitre 29, le verset 10, il dit encore, C'est pourquoi voici, j'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude, depuis Migdol jusqu'à Sienne, à la frontière de l'Éthiopie. Nul pied d'homme n'y passera. Ni le pied d'animal n'y passera, et il restera 40 ans sans être habité. Je ferai du pays d'Égypte une solitude, nous sommes en prophétie ici, si, hein, entre les pays dévastés, et ces villes seront désertes entre les villes désertes. Pendant 40 ans, je reprendrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, au bout de 40 ans, je les rassemblerai, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et là, ils formeront un faible royaume. Ce sera le moindre des royaumes. Et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations, je les diminuerai afin qu'il ne domine plus sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Et comme euh, vous pouvez le constater, La raison même pour laquelle la traître négrière a été engagée, c'est effectivement à cause des restes de la maison de Judas qui sont restés dans le pays d'Égypte. Puisque Dieu avait juré qu'il ôtera le nom de l'Éternel de leur bouche et Dieu les exterminera à cause de la désobéissance vis-à-vis -vis de la parole du Seigneur. Donc, l'identification ou l'identité des villes modernes en rapport avec leur appellation ancienne dans la Bible est très capitale pour décrypter la prophétie et William Branham a utilisé cette clé lorsqu'il a prêché l'enseignement sur les sept âges de l'église parce que les lettres prophétiques que Jean envoie aux églises pour cerner le message que Dieu qui devait influencer chaque période historique du christianisme parmi les sept, il fallait premièrement que Frère Branham puisse étudier la nature, l'étymologie, l'influence effectivement de chacune de ces villes et caractériser cela avec l'esprit qui gouvernerait chaque période historique de l'histoire du christianisme. Je lis Branham en prenant l'âge de la qui est bien sûr l'âge qui nous concerne. Vous verrez comment Branham a pu caractériser les esprits qui devaient gouverner cet âge-ci. Par rapport à la ville de Laodicee. Donc, ces principes que Frère Bonhomme utilise en parlant de Éphèse, Smyrne, Pergame, Thiatir, Sardes, Philadelphie, Odyssey, ce ne sont que des villes de l'Asie Mineure, et chaque ville a un caractère. L'étymologie des noms de cette ville voilait effectivement une nature, un comportement qui devait gouverner une dispensation, une période donnée, soit Éphèse, soit Smyrne, soit jusqu'à la Odyssée, mais cela est allé sur le principe de l'étude approfondie des villes. Alors prenons la ville qui nous concerne. Fabanam dit dans l'exposé de états de l'Église, l'âge de la Odyssée, la page 319, il dit... Le nom Laodicée, qui signifie le droit du peuple, était un nom courant que portaient plusieurs villes en l'honneur de femmes de sang royal ainsi nommées. Parce que Laodicée, dans le livre de Daniel, elle apparaît parmi les alliances humaines. Et quand nous rentrons dans le livre de Daniel, nous allons faire ressortir cette princesse appelée Laodicée. Donc Laodicée, c'est le nom d'une princesse qui devient bien sûr reine, qui est attribuée à une ville. Cette ville était politiquement l'une des plus importantes et financièrement l'une des plus prospères de l'Asie mineure. Des biens immenses lui furent légués par des citoyens célèbres. Elle était le siège d'une grande école de médecine. Ses habitants se distinguaient dans les arts et les sciences. Souvent on l'appelait métropole car elle était un chef-lieu pour 25 autres villes. Le dieu païen qu'on y adorait était Zeus. En fait, cette ville avait une fois reçu le nom de Diopolis ou ville de Zeus en l'honneur de leur dieu. Au IVe siècle, un important concile d'église s'y est réunie. Finalement, la ville fut abandonnée à cause des fréquents tremblements de terre. Vous voyez comment Frère Maname est en train d'abord de donner l'étymologie de la ville, l'influence de cette ville, la religion qui est adorée, les rassemblements écuméniques des églises qui ont influencé cette église, et jusqu'à l'escatologie, les événements escatologiques de cette ville, c'est-à-dire la destruction. Comment cette église... Cette ville a fini par être détruite, c'est à travers des tremblements de terre. Alors, Fabana, maintenant, commence à rentrer dans cette clé pour la décrypter. Comme les caractéristiques de ce dernier âge correspondent bien à l'âge où nous vivons, par exemple, ils adoraient un seul Dieu, Zeus, qui était le chef et le père des dieux. Ceci à nous annonce le principe religieux de notre 20e siècle, un seul Dieu, père de nous tous. Principe qui affirme que tous les hommes sont frères et en vertu duquel les protestants, les catholiques, les juifs, les hindous, ils sont un. Vous voyez comment Frère Baname est en train d'évoluer et commence à faire ressortir les caractères qui vont influencer l'âge de l'Odyssée par rapport aux caractéristiques mentionnées dans cette ville appelée l'Odyssée qui était au commencement une princesse et qui est devenue une reine. Remarquez, le nom de la Odyssée le droit du peuple ou la justice des peuples, a-t-il jamais existé un âge qui, comme l'âge du XXe siècle, a vu toutes les nations se soulever et exiger l'égalité sociale et économique Nous sommes dans l'âge du communisme où tous les hommes sont censés être égaux même si ce n'est vrai qu'en partie. Nous sommes dans l'âge des partis politiques qui se donnent le nom de démocratie, chréti démocrate chrétien, socialiste chrétien, fédération d'union chrétienne, etc. D'après nos théologiens libéraux, Jésus était socialiste et l'église primitive, guidée par l'esprit, pratiquait le socialisme. Nous devrions par conséquent faire de même aujourd'hui. Alors, lorsque les anciens Appelée la Odyssée la métropole, elle visait le gouvernement mondial que nous sommes en train d'établir. En songeant que cette ville a été le siège d'un grand conseil, concile d'église, nous voyons une préfiguration du mouvement écuménique qui se produit aujourd'hui et dans lequel nous verrons bientôt tous les soi-disant chrétiens se réunir. C'est vrai, l'église et l'État. La religion et la politique sont en train de s'unir. L'ivraie est en train d'être liée. Le blé est bientôt prêt à être engrangé. Cette ville était secouée de tremblements de terre lesquels finissent par la détruire. À la fin de ce tâche ici, Dieu ébranlera le monde entier qui a commis l'adultère avec la ville prostituée. Les systèmes de ce monde ne seront pas les seuls à s'effondrer, mais la terre elle-même sera secoué puis renouvelé pour le règne des mille Voyez-vous comment Frère Branham montre de par le nom, de par la signification du nom, de par l'adoration de Dieu, de par les conciles, jusqu'à l'eschatologie, les tremblements de terre, comment Frère Branham est en train de voyager dans cette clé qui est l'identification des villes pour nous montrer effectivement le caractère. L'influence des esprits qui vont agir, contrôler et orienter ce tâche de la Donc, ceci, cette longue suite de citations que nous venons de lire, c'est pour vous montrer que Dieu a établi des méthodes, et la parole de Dieu, effectivement, obéit à cette méthodologie. Si une fois que nous arriverons à les maîtriser, à comprendre que ceux-ci sont essentiels pour notre épanouissement, vous verrez que toi qui es appelé au service sacré de la prédication, toi qui es appelé à enseigner, vous verrez que vous ferez des exploits extraordinaires. Raison pour laquelle Paul insiste à Timothée qu'effectivement, attache-toi. À l'enseignement, attache-toi à la méditation, attache-toi à l'étude. Éveille à ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a plus de gens assez convaincants. C'est parce que on travaille sans méthodologie. Mais à toi, le Seigneur te fait grâce pour que tu puisses comprendre ces quelques briefings qu'on vous donne. C'est une richesse illimitée qui vous aideront à creuser encore et encore parce que Frabana a dit creuser effectivement pour éviter la tribulation. Dieu a voulu que tu comprennes par euh, cette courte euh, moment d'entretien que les villes, les, les royaumes cachent un message prophétique. Alors Dieu te donne cette occasion maintenant d'être un étudiant efficace dans la parole prophète, prophétique. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.